Voilà. Salutations ludiques, amis Minecraftiens, et c'est reparti pour une nouvelle session des tunnels de l'enfer. Et je ne suis pas en compagnie de Mayu et Alésia parce qu'ils sont à l'autre bout du monde et que je vais les rejoindre. Ça c'est un tunnel made in Mayu, je m'y connais pas. Ah ben moi j'ai voulu, hein, je veux dire. Ah, t'as fait des tunnels, Mayu. Mais quand je vois des squelettes de l'autre côté, plutôt que de foncer comme un mongolien, je fais des tunnels, quoi. C'est bien ça. Putain, tu viens de me sauver la vie, tu le sais avec tes tunnels? Ben ouais. C'est le but, quoi. Le but, c'est de sauver la mienne après celle des autres, quoi. Ils se démerdent, les autres. Enfin, tu viens de me sauver la vie, oui ou non, on va dire. Je suis tout en haut de la boule d'eau, quoi. Oh, c'est énorme. Allez. Une boule d'eau. Une boule d'eau, ouais, je te jure, une boule d'eau géante, on dirait une balle de baseball monstrueusement grande, quoi. Ah ouais, ça veut rien dire. Alors, hop, allez, je vous rejoins, je suis en route. Et ça devrait pas être trop long. Oh, il y a un archer qui m'attend là, là. Il y a un archer. Si vous entendez des légers bruits sur la vidéo, je ne sais pas, hein, on verra bien ce que ça donnera. C'est les bruits dus à la rue. J'ai ouvert la fenêtre parce que je crève de chaud. Ah là, l'archer, lui, il est mort. Je suis à 20 000 lieues au-dessus de la terre, moi. Putain, tout ce qu'il y a comme mob en bas. Oh. Il y a 5 ou 6 archers, 2, 4 ou 5 creepers, 2 araignées, 3 endermen ou là. Moi, je suis en train de me demander, mais comment je vais faire pour... Putain. Pour partir, tu vois. Saloperie de nénuphar. Allez, hop. On va monter dans le plafond, on va bien voir jusqu'où on va aller maintenant. Putain, je suis dégoûté, je viens de fracasser mon bateau sur un nénuphar. Je sais même pas dans quelle direction je dois aller. Bah tout droit, hein, normalement. Bah ouais, mais non, mais c'est que je sais plus de quel côté je viens. Ah oui, effectivement. Bah attends Loki, hein, il va te le montrer. Hein. Voilà. Hop, deuxième bateau. Alors attention, au nénuphar. Vu que même les nénuphars pètent les bateaux, c'est des bateaux en mousse. Si je me souviens bien, c'était par là. Si c'est pas le cas, et ben écoute, ça tant pis. J'ai vraiment failli stop, creuser stop, stop, stop. Hey, y a un mouton qui a pop sur les trucs d'herbe. C'est vrai? Ouais. Yes, tant mieux. Il a l'air de se sentir un petit peu seul, là, comme ça. Derrière, il me regarde en faisant baie, genre, je suis tout seul sur un bloc de d'herbe perdu au milieu de nulle part. Aidez-moi. Faudra agrandir un petit peu. Avec toi voilà. Chance, Bah, il en faudrait déjà deux pour que je puisse les faire se reproduire. Ouais, non, mais pas se reproduire, mais au moins l'amener jusqu'à la maison, quoi. Ouais, bah ouais, j'ai du blé sur moi, on pourra tenter après, mais alors ça va être une longue expédition, surtout dans la flotte. Ouais, non, c'est pas la peine, quoi, on prendra de l'herbe, on fera pousser de l'herbe, on va se démerder, quoi. En tout cas, après, il faut le faire passer par le tunnel. Ça va être là. Je suis poursuivi par un archer, je vois ta petite maison en terre, là. Bah, rentre dedans et enfonce-toi, quoi. Y'a le coffre. Ouais, mais bon. Y'a un canard. Un canard connard, bon. Ah purée. Putain de nénuphar de merde. Tu les vois arriver au dernier moment parce qu'il fait sombre et boum. Hop, je mets tout dedans. Tac, il y a 33 fers. La cobble. Du poisson. Bon, ok. Ah. Ok, t'es mort loin ou t'es pas mort loin? Ouais, je suis mort assez loin, c'est pas la peine.
D'accord. Ça me casse les... Oh là là. Mais loin de la cabane ? Ouais. Elle essaie d'avancer pour voir, hein, je vais dire, mais ouais, je suis mort. J'ai tout perdu. C'est pas grave, j'avais pas grand-chose, que j'avais tout foutu dans le coffre, hein, quoi qu'il en soit, c'est plus important. Mais... D'accord. J'avais une hache en diamant, c'est tout. Oui, mon bâtard. J'avais la hache en diamant sur toi. Oh, c'est pas vrai, putain. T'es mort ? Non, je suis pas mort, mais j'ai encore pété un bateau. Attends. Il y a des arbres vers là où vous êtes ? Ouais. Ok, ça va, alors je peux me permettre d'utiliser le peu de bois que j'ai sur moi. Oh putain. Bon, moi du coup je reste à la maison. Mais... Parce que ça va faire un peu vachement loin. En fait. Bah fais-toi un bateau, fais comme moi, fais-toi des bateaux. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire, mais je vais préparer un truc avant. Bon, on va téléporter Mayu quand on sera ensemble. Ouais, on reconnaîtra les pouvoirs des Mexicains, et puis voilà. Voilà. Moi je suis dans la maison, je suis en train de récupérer. Par contre, je te préviens, il y a un putain d'archer qui est grave vicelard dehors. Alors quand je dis un vislard, c'est un vislard. Il bloque sur le, il monte sur le bloc devant la maison, il tire une flèche, il retombe par terre. Il remonte, hop, il tire une flèche, il retombe par terre. C'est grave vislard celui-là. Purée. Oh putain. Un bon petit vislard. Voilà. Bon, là je suis plus dans une zone marécageuse, je vais plus me faire avoir par des nénuphars. Je peux bomber maintenant. Oh chouette, il y a de l'herbe. Oh bordel, il y a des nénuphars même là où il y a... C'est pas du marais. Fais chier. Bon ça va, je suis pas loin de la fin de l'eau apparemment. Vous avez avancé encore beaucoup après la fin de l'eau ? Non, si tu regardes à la fin de l'eau, il y a une espèce de gros truc carré... En terre, c'est ça, c'est la maison. Ok, bah je vous... Il y a un archer devant en train de faire un coucou là. Y avait parce que là, comme je me suis éloigné, il a dû partir. Non, il est toujours là, je le vois. Ouais, il a décidé de faire chier, celui-là. Bon, il va se prendre des flèches dans la tronche, et puis voilà. Oh, il y a même un canard. Ouais, j'ai vu, il y avait un petit canard. Pour ça, je le tue pas, je me dis que s'il y en a un autre, on va pouvoir. Voilà, le squelette est mort. Récupérer les œufs. Yes, merci. Hop. On n'a pas de porte, par contre, faudrait qu'on fasse une porte. Oh, il y a Enderman, il y a des squelettes là-haut. Petite forêt. Hein ouais. Ça serait sympa si on allumait tout autour de la maison, parce que comme ça éviterait le pop de trop de mobs. Ouais, bah, allez, moi je vais mettre toutes les denrées rares que j'ai ramenées au passage dans le coffre. Histoire de... Un peu... Oh, c'est bien ça, ici, il y a du fer. Allez hop, je vais faire un tour. Du fer. Et si, quand il y a des filons, il y a des filons, quoi. C'est pas des petits. Voilà, j'ai fait une porte. Nickel, parfait. Je vais chercher hop, du charbon en face. Il y a un autre canard ici, c'est cool. Déjà, c'est bien, il y a des canards. Donc, ça veut dire que comme il y a de l'herbe, il doit y avoir quelques animaux. Peut-être pas la masse, mais au moins. Il y en a. C'est déjà pas mal. Hop, et le qui il pêche. Ouais. Le qui fait gaffe. De l'autre côté de la maison, il y a un comment il s'appelle ? Un creeper. Okay. Qui est en train de monter en haut là-haut. Enfin, qui est en train de monter. Il descend vers toi. Il est de l'autre côté, de la cobble là. Ouais. Je viens de le flécher à mort. Ok. Je sais pas, j'ai pas vu.
J'arrivais pas à voir. J'ai cru qu'il était tombé dans un trou. Fais toujours attention à nos fesses, moi et Loki. C'est bizarre quand même. Cette habitude. C'est l'habitude d'avoir souvent fait des grottes ensemble, quoi, c'est tout, quoi. Ah, c'est clair. Attention, t'as un squelette qui s'approche de ta position d'ailleurs. Oh, de l'autre côté de la rive, c'est ça? Ouais, ouais. Bah, Non, je l'avais pas vu celui-là. Attends, je vais essayer de l'avoir à distance. J'ai vu celui d'en face là-bas, mais j'ai pas vu celui-là. Oh, quel tir! Ça, c'était du tir. Ah, par contre, j'ai plus de flèches. Ouais. Voilà, moi je m'enferme dans mon petit bunker, comme ça si elle arrive, il pourra pas m'avoir dans le dos. Et normalement c'est toi qui l'as aggro, c'est ça? Bah, c'est la distance où je l'ai tiré dessus, il a pas compris d'où ça venait, donc il a aggro rien du tout, quoi. Parce que j'étais trop loin pour qu'il puisse me localiser, donc il s'est dit, hein, qui me tire dessus? Voilà, là, moi je suis là. Là, je vais finir à coup d'épée. Ah, il y a un zombie qui est à la maison. Il a décidé de faire toc-toc. Ah. Toc-toc, qui est là? La souris, que veut-elle danser? Avec qui? Avec mon bien-aimé. Je suis désolé, mais on n'ouvre pas aux démarcheurs. Un démarchage est interdit chez nous. Oh! Oh, j'ai pas vu les archers là-haut. Je commençais à me diriger vers là-haut. J'ai fait oups. Attention, Lucky. T'as deux archers, un zombie. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis. Oh non, mais. Moi aussi, qu'est-ce que je suis con. J'ai pris des risques avant qu'on ait téléporté Mayu. Donc je suis revenu à la base. Faut que je me retape tout le trajet aussi. Essaye de ramasser mon stuff, hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. T'inquiète. J'ai tué les zombies qui restaient. Enfin, j'ai essayé en tout cas de les tuer. Oh, je suis trop. Il me refaut de la lave maintenant, quoi. Allez, bouge, dépêche-toi. C'est quoi là, le générateur? Eh ouais, mais le problème c'est que j'ai voulu le faire avec un seul bloc de lave, je m'y suis mal pris et j'ai fait couler l'eau d'en haut. Mais quand il s'est mis en bloc, waouh. Bon. Là, du coup, la lave a arrêté de couler. Pas, je rentre à la maison parce que là, il y a trop de monde. Ça commence à devenir dangereux, sérieux. Ok, donc tu veux qu'on te téléporte avec les pouvoirs du Mexicain, vu qu'on est ensemble? Non, c'est bon, je suis là dans la maison, je suis en train de poser des affaires. Okay. Oh, voilà, c'est ça, je suis en train de poser les affaires que j'ai récupérées à toi, c'est que je voulais simplement pas les risquer de les... de les perdre. Je vais aller rechercher un seau de lave et puis je vais revenir et je vais essayer de faire autrement. 40 de torches, voilà, c'est ça. Hop. Je vais faire une machine, c'est quoi, ça ira plus vite, quoi. Mmh. Ça, je vais pas me faire chier, quoi. C'est que je veux aller en face. Bah, si tu veux faire un portail entier avec un seul saut de lave, il faut, quand ça s'appelle, utiliser de la redstone aussi. Eh ouais, je sais bien, mais j'ai essayé, mais bon, c'était, enfin voilà, quoi. Ça marche pas, quoi. Mais tu veux que je le fasse? Ben, je peux faire un générateur à Bedrock. Enfin, à Bedrock, à Obsidienne. Ouais, non, mais je peux te mouler directement le portail. Ben, vas-y, écoute. Voilà, j'ai cherché donc la redstone. Eh ouais. Ça fait tellement longtemps que j'en ai plus fait que le problème, c'est qu'il me faut plusieurs sauts de lave pour le faire. Le tuto de Loki, c'est... On va vous montrer comment marchent les tutos de Loki en live, en fait. À quoi ça va servir, hein, dans une situation. Alors, bah déjà, hop, il va falloir ça. Ensuite, il va falloir de la redstone. Un stack sera largement suffisant. Ensuite, on va prendre de la cobble, hein, ça fera l'affaire. T'as un seau d'eau et un seau de lave? Ouais.
Voilà, je t'ai laissé le mur que j'avais là-haut à la base. Il faut une pioche aussi, il faut que j'aille me faire une pioche. Ah, ok. J'en ai une, viens. Mais bon, enfin, il va falloir faire attention, parce que c'est avec ça qu'on va miner l'obsidienne. Ah, mais il n'y aura pas besoin de la miner si je me viande pas. Ah oui, ben voilà. Par contre, je vais casser ça, parce que ça va mal. Alors, numéro 1. Alors, la base, il faut 2. C'est bon. J'ai cru que j'avais pris qu'un seul bloc au lieu de prendre un stack. Alors, il nous faut donc déjà ça. Alors, 1, 2. Ensuite, si je veux que ça marche, il faut que l'eau, elle arrive de là. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais ta pioche en diamant est presque morte. Hein. Ouais, je sais. À mon avis, elle va pas... Je vais la finir, en fait, là. Bah, finis-la. C'était juste pour qu'on puisse encore s'en servir au cas où on en aurait besoin, tu vois, histoire. Voilà. Alors, par contre, il faudrait faire un troisième saut. Est-ce que tu auras un troisième saut, Mayou? Je vais t'en faire un. Il faudrait deux sauts d'eau, en fait. C'est bon. Si j'arrive à trouver du feu, c'est bon, j'en ai sur moi. Hop. Les mobs ici, te laissent pas de répit, hein, je te jure. Toujours que tu sois en train de surveiller derrière ton cul. C'est comme au début, peut-être pas pire, mais peut-être pas pareil. On est retourné dans une zone à nouveau, pas trop éclairée. Ah, c'est sûr que le premier tunnel, on l'a quasiment dominé, on est assez tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon champ? Ben, il était poussé, donc je l'ai dépoussé. J'ai fait machin, et hop, voilà, après je vais replanter. Et je me retourne. Tiens, j'ai plus de pain. Ah oui, merci, tiens. Ouais, servir. Ça, 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 et même un quatrième, voilà, on sait jamais. Alors, il faut un saut d'eau. Une zone où il y aurait un de profondeur pour pas créer de courant, tant qu'à faire. Là, ça devrait aller. Voilà. Waouh. Ils sont agressifs, les messieurs, là. Putain. Bouh. Voilà. Donc là, si je me viande pas dans mes propres tutos, c'est bon. T'arrives à te viander dans tes propres tutos, toi? Oui, là, j'ai fait une connerie. Écarte-toi, je vais brûler. Oui, j'ai fait une connerie parce que j'ai oublié de sécuriser la zone, voilà. C'est ça que j'ai oublié de faire. Il arrête la lave avec des blocs de feuilles. Mayou, c'est un pompier d'exception. Bah attends, tu crois quoi? Je t'ai sauvé la vie. Quand même. C'est déjà ça. Je récupère ma flotte. Il y a un putain de... Enfin, s'il y en avait qu'un, ça irait. Qu'un regard. Voilà. C'est quoi ça? Mais c'est moi. Attends, t'en avais un sur toi. Ouais, j'en avais un peu quand j'ai foiré tout à l'heure, ça m'en a fait un quand même. Alors j'ai besoin d'en faire qu'un seul ici. Ça t'évite de t'embêter, quoi. Ah! Oh, je suis morte dans t'es le morte bunker, d'affaire. Putain, mais merde. Mais non, mais il y a un connard de zombie qui est en train de me taper, et il me restait que la moitié de la nuqueur. Oh, bah écoute, c'est écrit que t'es morte de faim. Vous pouvez... Ouais. Vous êtes ensemble, là? Vous pouvez me téléporter en sage-bac? Bah, on peut te téléporter sur notre position, mais normalement, t'es réapparu vers chez nous. T'es réapparu dans la maison. Ouais, mais non, mais tu peux pas me faire un bac? Non, mais on n'a pas la commande slash-bac, c'est du vanilla, ici. Oh, putain. Mais il va falloir que quelqu'un... Il va falloir que tu y retournes, récupère au moins les affaires. Quoi. Au moins, on ne retournera pas, tu vois. Je peux pas. Et on a tout là-bas, on a du diamant et tout. Bah, on y retournera plus tard. Donc, il est dans le coffre, il est pas perdu, de manière. Bah oui. Ouais. Mais là, j'ai rien. J'ai
plus rien. Plus rien. Alors. Je suis bourru. Bah, tu sais quoi, reste avec Loki, je vais y aller. Mon atelier et tout, il n'y a plus rien. Putain, je suis dégoûté. Comme ça, vous me téléportez en bac, parce que sinon, je vais pas tout laisser là-bas, parce que pour le peu qu'on passe par ailleurs la prochaine fois, ça va pas être possible. Bah non, pourquoi on passerait par ailleurs? Je sais pas. Bah... On a plus bon, de bois, là. On va faire fondre... On va faire fondre du fer, ça sera bien. Plus de bâtonnets, j'en ai du fer. T'en as du fer fondu? Ouais, ouais. Il me faut juste des bâtonnets. C'était quoi ce boom? Voilà, c'est bien connard. Oh non! C'était quoi ce boom? C'est un creeper qui m'a explosé dans le champ d'arbres et qu'il m'a explosé la terre, les arbres. Bah tant pis, hein. Déjà que tu vois, ça coupe pas les rues, tu vois. Non, parce que le poste avancé là-bas, il est très bien, au contraire. Il vaut mieux le laisser. Il y a 4 diamants ici, on va essayer d'aller en chercher d'autres, c'est tout. Faut juste que je fasse fondre du fer pour refaire des pioches. Je vais aller piocher après. Mais bon, elle est très bien cette petite... truc là. Petite crocotte. Il faut juste se rappeler par où on est passé. C'est tout. L'eau, ça va arriver par là. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien hostile là-bas. Cutie. À peine tu sors, t'es déjà aggro par 15 mobs, quoi. Et là, il y en a un, il a frappé à la porte. Il a frappé à la porte, il a réussi à rentrer. Dans le coup, moi, j'étais en train de taper avec de la bouffe. Mais parce que j'étais partie pour manger. Et puis bon, en fait, c'est pas lui qui m'a tué, c'est la bouffe qui m'a tué. Et merde. Ouais, c'est pour ça que j'attends pas d'être toujours. Hein. Je mange régulièrement, en fait, j'attends pas que ça baisse. Quoi. Ah, mais là, j'avais pas trop le choix, j'avais un stock de mobs aux fesses, je pouvais pas faire autrement, j'étais obligé d'attendre d'être dans la maison. Quoi. Ouais. Allez, on est parti pour aller chercher. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai. Mais pourquoi tu vas chercher tout ce qu'il y a là-bas? Laisse-le ouais. Là-bas, au contraire. Comme ça, quand on y retournera, il y aura tout ce qu'il faut. Laisse. On a tout ce qu'il faut ici. On a 4 diamants encore qui nous restent et tout pour faire une pioche si on a besoin. Ouais, mais c'est vrai que ça me fait chier de laisser 11 diamants. Hein. Même si on va les récupérer, tu vois. Mais c'est pas 11, il y en a 8 dans le coffre. Ouais, parce que j'ai fait une hache avec. Ouais, bah, il y en a 8, ça suffit. Qui c'est veux-tu qui nous les prenne? Ouais, non, personne, c'est juste pour le principe, quoi, c'est tout. Il nous en reste 4 ici, on va y retourner, t'inquiète, hein. On n'a pas l'intention de laisser tomber le poste avancé, on va y retourner. C'est juste le temps qu'on se refasse un petit peu, c'est tout. Voilà. Il n'y en a pas pour 10 ans, hein. T'en fais pas. Va pas courir des risques inutiles pour aller chercher des trucs et tout, de toute façon, on va aller explorer là-bas. Donc, tiens, au moins, y a un creeper qui veut aussi assister au tuto, apparemment. Oui, j'ai un creeper au pied de mon moule, là. T'es où, là? Il est où? Coucou! Non, il veut vraiment Loki, en fait. Il veut pas moi, quoi. Quand il en a après quelqu'un, quelqu'un. Ah oui, hein. Je me suis viandé là-dessus. Il a pas pété le moule, au moins. Non. Oui, je savais bien que j'avais fait une petite erreur, voilà, c'était là qu'il fallait que je mette la lave. Fais ouch ouch. Bah alors. What is the fuck? Pourquoi que ça marche pas? Ah si, ça y est. Si, c'est le temps, mais ça a fini par marcher. Alors là j'ai combien de haut, Charles? Je me rappelle plus. Ok, 2, il faut que je rajoute encore un. Alors tac, tac, tac. Tac.
Et moi, je reprends mon zen parce que là, j'ai le cœur, il est en plein. Hein. J'adore ce jeu. Y a pas à péter. Je kiffe vraiment les tunnels de l'enfer. Voilà. Alors, bah dis donc, j'ai encore leur a mérité notre séjour vacances en haut dans le Nether. Hein. T'es sûr que ça va être des vacances dans le Nether ? C'est celui qui avait dit ça sur les commentaires de la chaîne. Qui nous avait dit, bah, au moins quand vous irez dans le Nether, ça vous fera des vacances. Ouais, j'avoue qu'en même temps, c'est vrai que t'as tendance à moins te faire chier dans le Nether que... Enfin, te faire chier pour rester en vie, je précise. Parce que là, c'est du showtime. Bah, ça a l'air d'être bon, donc... Presque. C'est bon, t'as fini ta porte. Tac, voilà. Donc si je me suis pas viandé dans les calculs, là, c'est bon. Mais... Que si t'arrives, Mayou, voilà, je suis en bon. Faire, mais... Bah, il est où le charbon? Ah, c'est moi qui ai pas les yeux en face des trous, c'est pas possible, je te jure. Ça va, niveau fer et tout, on a vraiment tout. Alors, ce qu'il faut. Alors, je récupère mes deux seaux d'eau. Ensuite, je pète ici. Tu pètes ? Oh, Lucky, s'il te plaît. Tu penses aux odeurs, les effluves. Et pour finir... Qui aurait des sticks ? Personne ? Ah non, c'est sur moi, non. Attends, je regarde. Le mec, il en a 40, ça m'a dit non. Allez, viens. Oh, c'est qui c'est que c'est qui a fait ça? Qui a fait quoi? Les arbres volants. Ça, c'est bon, meilleur. Ouais. Je veux pas rapporter, mais c'est meilleur. J'avais besoin de... Mayou, t'abuses. Ouais, et je peux même te rendre ton seau de lave et tes seaux d'eau, tu vois. Ça n'a rien consommé. Il n'y a plus qu'à péter toute cette cobble. Pourquoi il y a des feuilles au sol? Pourquoi ça marche pas? Faut m'expliquer là. Oh, j'ai dû oublier d'activer le Nether. Attendez, faudra que je reboot le serveur. Oh. Non, et ça risque pas de changer la map? Ça me laisse sceptique. Ça te laisse ce que tu veux, n'empêche que... De toute manière, je crois que ça va être bientôt la fin de l'épisode, là. Je crois même qu'on a fait un épisode un peu plus long que les autres, ouais. Là. Il va me faire crever avec ses feuilles et ses flammes, lui. Voilà. Donc, eh ben, on vous laisse là. Et on vous dit à plus et à la prochaine avec un portail du Nether fonctionnel. Gros bisous. Gros bisous. I don't want to set the world on fire.